Eh bien, bonsoir les gens, c'est Ouli. On se trouve pour l'épisode 21 de notre Let's Play sur Pokémon Ultra Soleil. Dans l'épisode précédent, on avait fait l'épreuve de Margie, la capitaine de type Spectre, on pourrait dire. Donc on est entré dans ce centre commercial abandonné, on a fait un peu une chasse aux fantômes avec un appareil photo et on a trouvé un Mimiki. Il me semble, dans mes souvenirs, ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué, mais qu'on avait quand même pas mal galéré. Dans quel état est ma team? Ouais, elle est morte. Bon bah écoutez, on va aller se soigner tranquillement et après on va rejoindre le foyer Aether. Ouais, je peux choper la petite Pokéball qui est là. Ouais, je m'en souviens, t'avais galéré. Ouais. Bah du coup, on va essayer de choper un petit centre Pokémon. Je crois qu'il y en a un qui est pas très très loin. Oups, non, je vais pas me battre tout de suite. Je suis vraiment trop mal en point. Ah mais je suis obligé. Bah écoutez, on va essayer de contourner le mec. Ok, c'est bon, je peux l'éviter. Là, il y a encore un mec. Mais si je vais là. Ok, je l'évite. Nickel. Et là, le son de Pokémon. Tu aimes quel jeu Pokémon? Pokémon Diamant. J'ai beaucoup aimé aussi les jeux de Arceus. J'ai bien aimé Pokémon Écarlate et Violet, malgré qu'il soit catastrophique niveau technique. J'ai beaucoup aimé. Noir et Blanc, j'ai bien aimé. Heart Gold, j'aime beaucoup. Ultra Soleil, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que là, je redonne une deuxième chance au jeu en rejouant au moins 7 ans après la dernière fois que j'ai joué. Et pour l'instant, ça va. Mais c'est pas le jeu que je préfère. Il te reste un rappel max. Oui, mais je vais pas l'utiliser pour ça, quoi. Sachant qu'il y avait un Pokémon à côté. Oh, je vois que tu as combattu 80 dresseurs. Je suis sûr que tu connais les affinités de type sur le bout des doigts. Oui. Ah, tiens, faut que j'aille par là. Là, de rien, ma team commence à être bien solide. Il y a juste Ossature qui fait un peu tâche, Evoli aussi, mais Evoli, je vais peut-être le faire évoluer en Givrali normalement. Et Ossature, bah... Ouais, il fait un peu tâche, donc on verra si on trouve mieux. J'ai une idée d'un Pokémon qui pourrait le remplacer, mais on l'aura pas tout de suite. Donc, il va rester encore un petit peu. Alors, lui, c'était 12 CT, pas mal. Avec l'aide de tes Pokémon Tour, tu pourrais en trouver encore plus. Oui, c'est vrai, mais bon, je m'attarde pas trop sur les détails. En vrai, le jeu, ouais, je ressens pas forcément le besoin de... Enfin, ni l'envie, ni le besoin d'aller explorer à droite à gauche. Du coup, on dirait pas que je rush le jeu, parce que c'est de prendre un peu mon temps. C'est juste que... Bah je sais pas, j'ai envie de faire le jeu un peu en ligne droite pour voir un peu l'intrigue. Surtout que c'est déjà un peu long avec l'intrigue vu que ça parle beaucoup. Donc j'ai pas envie de rallonger ça avec des explorations un peu inutiles. Et c'est moins satisfaisant d'explorer vu qu'il n'y a pas ce côté open world comme il y a dans Legend Arceus ou comme dans Pokémon Écarlate. Ah j'ai pas attaqué type O, c'est con ça. Du coup j'essaie de faire le jeu en explorant vite fait s'il y a un truc intéressant, mais je le fais quand même assez en ligne droite. J'ai pas vu le Pokémon qu'il va prendre. Il va prendre quoi? Il va prendre un Ossature. Je casse sa muraille. Parce que si je fais Griffe Ombre... Ça le met midlife. Mais maintenant, on va le brain et je fais un coup bas. Et il tombe KO. Pokémon Écarlate et Violet, les graphismes sont catastrophiques. Oui, franchement, ouais, mais j'ai beaucoup aimé le jeu. Parce que je trouve qu'il a à côté, même si les graphismes sont pas ouf,
Le jeu est vraiment très sympa à jouer. Et franchement, ça me tenterait un jour de le refaire. Mais de le faire sur émulateur, comme ça je mets les graphismes en 4K, 60 FPS et tout. C'est un truc qui me tenterait bien ça à faire un jour. Voir d'essayer de modder le jeu pour voir s'il n'y a pas moyen de mettre tous les Pokémon, de faire un truc bien quoi. Mais bon, je sais pas. Il y a un drôle de type en kimono qui traîne dans le coin. On peut difficilement le rater. Enfin, aujourd'hui, il a pas à d'être là. D'accord. Bon. J'ai vu qu'il y avait la Team Skull là. Et Tilly. Moi, je pense qu'il faut se battre. Oh bah tiens, il y a Margie aussi. Je vous attendais pas de sitôt les mioches. Bon les gars, puisqu'apparemment vous avez pas du mal contre les enfants, je vais devoir m'y coller moi-même. Je t'avais prévenu pourtant que ça se passerait mal si tu touchais encore un cheveu de mes lascars. Ah d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais j'ai enfin trouvé Pokémon Y, du coup je rejoue à ce jeu. Ah, tu as pris quoi comme starter? Il y aura une pierre glace dans la planque de Team Skull. Ok. Bah écoute, si un moment je la rate, n'hésite pas à me dire bah que je l'ai loupé. J'ai pas de capacité. Vas-y, escarmouche. Ah, c'est un peu nul. J'ai pris Grenousse, ah je m'en doutais en vrai. Allez, on va mettre Loup-Garouk. Oh mon dieu, les voix de Willy sur les personnages Masterclass. Ah, on essaye hein, même si là ça fait longtemps que j'ai pas imité les persos, donc le doublage était un peu dégueulasse. Allez, vive proc. Et je crois que je l'ai mis KO, c'est bon, non? Ah non, elle a un Malamandre. On continue. Allez, vive proc. Ça va être plutôt mal. Ma team Pokémon Y, c'est Pharan, Porphinobi, Karchakrok, Mystigris, Exagite, Dogfeu. Bah à part Mystigris que j'aime pas, en vrai ta team elle est solide hein. Je sais pas si Mystigris il est fort en combat. J'avoue que le Pokémon je l'ai jamais vraiment vu. Donc je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ça se trouve il est fort mais que personne ne le joue hein. Allez, Aria de l'écume. Ok, bon, on est en train de me défoncer, donc on va se concentrer un petit peu. Et je vais faire... bah, prendre Brutalibré, hein. Il est très fort Mystérix, il a un move pool très varié. Ah, ok. Bah écoute, je le savais pas. Par contre, son Pokémon, il en... C'est quoi ça? Il est abusé ou quoi? Je veux pas tomber KO? Tu vas me faire défoncer. Voilà, on n'en parle plus.
Sa armurerie passe niveau 36. Et il va prendre mur de fer. Bah c'est nul. Sa armurerie, il faut le jouer avec des priorités et des attaques physiques. Un samurai défensif, c'est nul. Sachant que quand il est midlife, il revient dans ta Pokéball. Je suis pas assuré. Je dois reconnaître que vous avez dans le ventre. Maintenant, je comprends pourquoi Megan n'arrête pas de se faire battre par vous. Bon, tu sais quoi? On va faire un marché. Si tu veux qu'on te rende le Pokémon qu'on a chouré, amène-toi dans notre planque à Kokoyo, seul. Notre boss a deux mots de dire. Wouah, les combats perdus d'avant, c'est vraiment pas marrant. Tout le monde va bien? Ouah, mon glouglou, ils m'ont volé mon manglouton. Oh non! Pour une fois qu'ils disent un peu leur petite tête, il faut que ça tombe sur nous. Bon, si j'ai bien compris, ils nous rendront mon glouton seulement si Willy va tout seul à Kokoyo. C'est vilain, la Team Skull ont fait de Kokoyo leur nouvelle base. Et j'y pense, si tu tiens à y aller, va parler au monsieur Akimono qui se trouve sur la route 15. Il connaît un Pokémon marin qui devrait pouvoir t'aider à traverser. Et tiens, en échange, tu veux bien me promettre de retrouver mon manglouton? Oh, pas mal. Bah écoute, avec plaisir. Lily, t'as rien à dire? Je n'imagine que trop bien l'horreur qu'on peut ressentir quand son Pokémon est kidnappé. Willy, faut absolument venir en aide à cette pauvre petite. Ok, j'ai bien compris le message. Je vais me soigner. Oui, je vais me soigner. Et on va aller taper du monde à Team Skull. Attendez, hop, je me soigne un coup. C'est bon, je me suis soigné, j'ai racheté un peu de soins, même si j'ai plus d'argent. Maintenant, on va pouvoir botter les fesses de la Team Skull. Ah bah tiens. Le mec en kimono. Tu fais le tour des îles. Existe-t-il vraiment des gens assez fous pour s'aventurer dans un endroit aussi reculé? C'est pas le mec de Unis là, le conseil 4? Ah si, c'est lui, c'est Pieris. Eh, hey, il a un petit flow comme ça en vrai. Si si, je crois que c'est lui. Ok. Je poursuis Team Skull. Je vois. Tu as tes raisons. Sur ce, j'ai un défi à te proposer. Je vais lancer une pièce. À toi de me dire de quel côté elle va tomber. Alors le chat, pile ou face? Moi j'irai face. Ni l'un ni l'autre, comme ça on répond pas. Ah. Moi j'ai face. Splendide. Serais-tu prophète à tes heures perdues? En tout cas, quelle démonstration de force. Tu brilles de mille feux. La victoire t'appartient. En récompense, voici les données de Sharpedo pour ton appel monture. Puisse-t-il t'emmener par-delà les océans? Ok. Ouais, après c'est dur de savoir ce perso passe 2D en 3D. C'est vrai. Permets-moi de te donner un petit conseil. Lorsque tu chevauches Sharpedo, appuie sur le bouton B pour mettre le turbo et pulvériser les rochers sur ton passage. J'en profite également pour te mettre en garde. Au-delà de la route 16 se trouve la ville de Kokoyo. C'est le repère de la Team Skull. N'y va que si tu es prêt à en découdre. Bon. Allez, on va se battre. Hein. On va essayer de se faire un peu d'argent. Non, c'est Sharpedo que je voulais, c'est pas low class. Ah, mais c'est nul. Ah non, c'est bon. Ok, nickel. Et là maintenant... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des Pokémon. Alors... Oup. Ok. Par contre, il drift le Sharpedo.
je vais éternuer là. Pardon. C'est bon. Donc là, maintenant, je peux même taper avec la Team Skull. Ouais, il y a un membre qui est sur le côté. Ah non, c'est là-haut. Donc là, je vais juste remonter la route, en fait. Bah, je vais peut-être me taper un peu avec les dresseurs, hein, histoire de s'entraîner. Comme ça, on fait un épisode d'entraînement, et après, on va se taper contre Team Skull. Ok, les Spinda. Tiens, le scientifique, là. Viens là. J'étudie le tour des îles. Merci de ta coopération. Il y a les rediffs. Oui. Arthur, la vidéo sera juste en nous répertorié, mais sinon, t'auras la rediff. Donc tu pourras y accéder si tu chopes le lien, là. Sinon, dans l'onglet que j'ai mis dans la description, t'as la playlist de tous les replays, donc tu pourras le trouver là-dedans. Et sinon, dans quelques semaines, il y aura la rediff en forme d'épisode, donc ça sera monté, cuté, et plus agréable à regarder, plus rapide. Et salut Nox! Salut Lee, comment tu vas? Est-ce qu'un jour tu seras chaud pour faire un sapin Pixelmon sur ta NOS pour qu'on joue tout ensemble avec toi? Je sais pas parce que j'avais déjà joué à Pixelmon et ça m'avait pas trop plu. Donc en fait je sais pas si c'est mon truc. J'ai déjà joué, j'ai pas trop kiffé donc un jour peut-être mais je peux vraiment pas le confirmer parce que j'aime bien jouer avec du vrai Pokémon et Minecraft Pokémon, je sais pas, le mélange, j'ai du mal. J'aime bien les deux jouer séparément, mais les deux ensemble, je sais pas, ça fait pas un bon mélange pour moi. Et salut Vincent, comment tu vas depuis tout ce temps? Putain, il tank, c'est un truc de ouf. Ah ouais, mais je me fais défoncer par des Chrysapil, c'est quoi ça? Allez, gros tas de morve. Je vais mettre au tueur. Tu vas faire Pokémon Rocheux? Tôt ou tard, oui. De toute façon, j'ai l'intention de faire tous les Pokémon. Donc un jour ou l'autre, oui, je ferai Rouge-Feu et Vert-Feuille en let's play. Mais je peux pas te dire quand, parce que j'en ai aucune idée, ça dépend de mes envies en fait. Minecraft Pokémon sont deux bons jeux, mais ensemble, ça semble pas, les concepts sont trop différents. Oui, bah après il y en a qui kiffent hein, et je les comprends, mais moi je sais pas, j'arrive pas à m'amuser dessus, je sais pas, c'est trop bizarre. Ah bah je suis mort. Mais mes Pokémon ils sont nuls ou c'est eux qui sont trop forts? Et moi aussi je compte à ce grand week-end, Vincent. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un bon week-end pour live. Donc là, je kiffe un petit peu. Ça fait longtemps, ça m'a manqué.
Bon, mon Evoli level up. Oh, un objet. Allez, un petit PP+. Un petit badge dominant. Et là, on va se taper un petit peu. Toi déjà. Alors, des Pokémon type vol, donc on va mettre un Loup-Garrok. Givrali, c'est un Goat comme Pokémon. Moi, j'aime beaucoup Givrali. À l'époque, c'était mon évolution préférée. Maintenant, c'est Mentally, mais Givrali, je l'aime toujours. Ah non, c'est une top dresseuse, c'est pas une ornithologue. Ah, je peux pas faire grand chose. Quoique si, casse-brique en vrai. Va faire x4. Mentally Shiny, il est magnifique. Il est quelle couleur? J'avoue, je m'intéresse pas du tout au Shiny, donc je sais pas du tout les couleurs de la plupart des Pokémon. Je sais que Spectrum, il change quasiment pas de couleur. Vert. Ah, j'aurais imaginé plutôt bleu ou noir. Grimace, mais j'apprends que des trucs nuls, c'est un truc de ouf. Gros doudou, on continue. Ok, essaie de me rappeler tout à l'heure le pro, parce que j'ai su d'oublier. Tu me connais, j'ai une mémoire qui est un peu fatiguée tout le soir. Ouais, c'est pas ouf. Il va me défoncer. Allez, Sarmurai. Mais si tu veux, lundi prochain, pas celui-là qui arrive, celui d'après, normalement tu devrais avoir l'épisode 1 qui sortira de... en montée et tout. Et en plus, ça me trouvait plutôt stylé. Je dis ça, je dis rien. Ah bah alors, je suis fragile ou quoi? Je tape tout doucement. On va mettre Oratoria. Tu as déjà joué à Palworld? Pas encore. J'aimerais bien y jouer, mais j'ai pas le temps malheureusement. Mais ça me tenterait d'y jouer. Parce qu'il y a moyen je pense, de faire des trucs assez marrants. Et mon Pokémon préféré, Trace, c'est Pangoléon et Gobou. Allez, Oratoria passe niveau 37. Allez, on va essayer de remonter un peu. Parce que ouais, à tous les coups, il y a des dresseurs ici. Tu te demandes certainement, mais que fait un golfeur dans un champ de fleurs? Si tu veux avoir la clé du mystère, commence par battre tous les dresseurs du coin. Tiens, 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 mais qui voilà? Où vas-tu comme ça? Je vais à Cocoyo. Qu'entends-je? Tu vas à Cocoyo, la ville occupée par la Team Skull? Ces vils individus, que dis-je? Ces pour rien passent leur temps à maltraiter les Pokémon. Ils sont ingérables. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Je sillonne Alola. Je m'investis personnellement pour m'assurer du bien-être des Pokémon.
Ne suis-je pas le seul ici-bas à me préoccuper des problèmes liés à Necrozma? C'est moi qui devrais être à la tête de la fondation, tu ne trouves pas? Il est bizarre, lui, hein. Enfin, je suppose qu'un petit... qu'un enfant ton âge n'y connaît rien. En tout cas, méfie-toi de la Team Skull. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Ah, c'est un truc pour des photos. Tiens, voilà, Frontelle. Dès que je croise un dresseur, j'ai envie de le défier. Bon, ça va, c'est avec un Pokémon, ça ira vite. En plus, c'est un Flouette contre mon Logoro qui peut rien faire de spécial. Donc, je vais faire un Vif Rock. Il tank, mais j'enchaîne sur un tombe roche. Et il va tomber KO assez vite. Et fort, mais c'est nul, apprends des vrais trucs, genre balayette, casse-brique, je sais pas moi, close combat. Ça dégoûte un peu. Hop là, je récupère le nectar rouge. Ça, c'est pour les... Comment ils s'appellent? Les Pokémon, là, qui dansent. Putain, j'ai plus son nom. Le Pokémon oiseau, là, avec différentes danses. Plumine, oui, voilà. Oh, j'ai eu un trou. Les Pokémon de Will sont condamnés à prendre des attaques nulles. Ah, mais ouais, mais c'est un truc de ouf, hein. Je suis quasiment niveau 40 et j'apprends encore des efforts et des grimaces, quoi. C'est ce que Tipou va prendre niveau 15. Oh, j'ai bien choisi mon Pokémon, là. Allez, Aria de l'écume. Il tank évidemment. Mais là, j'ai enchaîné sur un quad jet. Il tank. Aria de l'écume. Parfois du V. Parfois du V, c'est type plante fée. Je peux tenter un truc. Si je fais un vent glace. Si je tank son écosphère. Ouais, je le tank. Oratoria est quand même assez solide comme Pokémon. Et là. Ah, c'est pas ouf. Mais il perd en vitesse, donc avec un peu de chance, je peux le terminer. Ah bah, si tu galères ce stade de jeu, tu vas galérer au boss final du jeu. En fait, faut que juste que mes Pokémon prennent des bonnes attaques, hein. Là, au lieu de vent glace, si j'apprenais laser glace, on serait déjà beaucoup mieux. Si Samurai avait une attaque type O, genre... pas aquatacle, mais... Bah genre aqua jet, ça serait pas trop mal aussi. En fait, il manque un peu de matière en fait pour être balèze. Parce que ma team elle pourrait être solide, hein. Surtout avec le sixième Pokémon qui remplacera probablement Ossature. Vous allez voir, la team va step up. Et j'ai aussi évolué qui sert à rien pour l'instant, mais quand il va évoluer, il sera déjà un peu plus utile aussi. Aqua Brèche, il apprend. Bah voilà.
d'aller céder. Pour l'instant, j'ai pas d'argent et j'en ai pas. D'ailleurs, je voulais vous parler. Tant que je vous tiens là, en otage, pendant que je m'entraîne. J'ai un peu raté le coche, hein, sorti il y a quand même quelques mois maintenant. Mais je suis un petit peu tenté pour faire peut-être quelques vidéos sur Pokérogue. Le petit roguelike Pokémon là sur navigateur. Ça vous intéresserait ou pas du tout? Parce que franchement ça me tente un peu, j'ai toujours pas joué et j'aimerais bien découvrir un peu sur au moins c'est peut-être un live ou deux. Ou enfin une mini-série si c'est pas compliqué. Mais je sais pas, ça me tente. Donc je sais pas, ça vous tente, dès que j'ai un peu de temps, pour essayer de faire ça une après-midi ou un truc comme ça. Mais bon, je dis ça comme ça parce qu'après il faut que je trouve le temps de le faire, mais... C'est un truc qui me tenterait bien. Pas forcément faire le jeu en entier, mais au moins tester un peu. Allez, boîte à librer. Et je vais faire casse-brique. Solo ou coop? Pokérock c'est en solo. Tu peux faire un épisode, ça marche bien, t'en fais une suite. Ouais, au pire, j'en fais un petit live, puis je le monte pour cutter un peu les moments chiants ou les moments galères ou les moments où on meurt en boucle. Et si ça plaît, ben j'enchaîne, et si ça plaît pas, bah on en fait 2-3 épisodes et on arrête. Mais je voulais un peu avoir des petits retours, des petits avis. Ça reste dans le Pokémon, parce que je sais que ça, Pokémon ça plaît bien sur ma chaîne. En ce moment, je suis en une grosse hype Pokémon, donc je kiffe bien jouer à Pokémon. Et je me dis, ça permettra de tester une nouvelle chose. Je sais pas ce qu'il y a ici. Lac du Halo Lunaire. Je crois que je suis pas censé être là. Oh, choc psy. Je prends. Par contre, je crois qu'on va pas aller plus loin parce que je sais pas ce qu'il y a ici. Et vu la musique, ça a vraiment une ambiance en mode fin du jeu, donc je m'en vais. Mais c'est stylé. Tiens, c'est pas toi le petit dresseur qui vient souvent sur Pokémon? Malgré le délabrement, cet endroit reste majestueux, tu ne trouves pas? Dommage qu'il ne s'y passe rien. Mais même s'il n'y a rien, j'ai comme l'impression que ce lieu referme une sorte de secret. Quelque chose d'important. Non, c'est pour la fin du jeu. Ok, bah j'y vais pas alors. Moi j'ai 3 pour Pokémon Zeta. J'ai Gravat aussi, j'aimerais bien voir du gameplay. J'ai entendu des rumeurs comme quoi le 8 août, ou début août en tout cas, il y aurait du gameplay ou des images ou une cinématique qui devrait apparaître. Donc j'attends de voir. Mais très curieux de voir ça, même ça arrivera pour fin 2025 je pense. Je suis très curieux de voir un peu qu'est-ce que vaut le jeu. Et ça me hype. Je suis trop naze en combat, c'est pour ça que je fais partie de la team Skull. Quand t'es un Skull, personne te cherche chinoise. Bon. Je vais me taper contre lui et après je vais vous laisser là pour cet épisode, comme ça j'aurai le temps de me soigner. Et comme ça on prendra l'épisode devant la ville et on tapera du Team Skull. Yo, je déteste les faillots, mais en même temps je suis obligé de failloter si je veux monter en grade dans l'organisation.
Moi j'espère que Pokémon Zelda ressemblera à Arceus, car j'adore Arceus. Pareil. Ça serait de grave bien. Ils ont trouvé une bonne recette alternative. Et je suis très curieux de voir en fait à quoi ressemblera Zelda. Dis juste que t'as aucune patience pour le Shiny. Oui, déjà. Et puis même, ça m'a jamais vraiment attiré. Ils ont rien de spécial, Shiny a pas une couleur et souvent c'est un peu moche, je trouve. Allez, mon Spectrum, on va switch et je vais mettre Lugarok. Et puis c'est un peu long un live de chasse. Bah ça peut être sympa parce que tu peux discuter, mais bon moi ça me... C'est très redondant en fait, ça me fait chier. Genre vraiment de farmer comme ça, j'aime pas. Je peux faire marcher, balader, capturer, faire des combats. Faire du post-game. Faire des let's play, faire des fangames. Un truc qui bouge un peu quoi. Et le jeu, ben ouais, sympathique. J'étais pas un gros fan de Pokémon Ultra Soleil de base. Là en vrai non, il joue. C'est pas le jeu que je préfère, mais franchement il est quand même sympathique. Allez, Oratoria passe niveau 38. Il va prendre Mégaphone. Ben... C'est un peu nul un type normal. Tu préfères apprendre des attaques type fée, type eau, type glace. Bon. On est près de la ville. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous dis donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Pokémon Ultra Soleil. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.